il a aussi comment étudier un phénomène de nouveau pauvre. Le nouveau pauvre dans le sens qu'il a du monde qui n'a la base et qui peine à manger parce qu'il fait ce secteur d'activité inaffecté. Mais l'enfant doit mettre le côté accompagnement social avec une aide financière pour du monde qui perd l'emploi, pour du monde qui n'a pas aucun résiste social et surtout pour les plus vulnérables. Parce que l'infrastructure, il est pour là, oui. Mais les peuples ne sont pas capables de manger un bout de béton pour les vivre. Besoin d'assurer la survie, besoin qu'ils mangent et vivent. Bonjour. En fait, quand nous regardons ce qui peut arriver à Maurice, du monde n'est plus peut vivre, du monde peut survivre. Quand nous passons devant une région, nous sommes utilisés au terrain et il y a aussi comment étudier un phénomène de nouveau pauvre. Le nouveau pauvre dans le sens qu'il y a du monde qui est dans la case et qui peut manger parce qu'il fait ce secteur d'activité inaffecté. Je prends l'exemple, il y a un plaisancier, il y a du monde qui travaille l'eau la mer. Je suis aussi peut faire face à ce problème-là, surtout après l'épisode de Wakacho sur la côte sud-est. Le problème-là est bien réel. Il y a un problème maintenant avec des gens qui perdent du travail, qui aussi qui viennent accumuler l'eau. Là. Il y a des gens qui ne peuvent pas retrouver dans une résistance sociale, ça va être super affecté. Mauricien, actuellement, Mauricien n'est plus vivant, quoi, comme on dit, Mauricien arrive dans un stade de survie. Tu viens faire déjà tu viens mettre un plan par rapport à des gens qui n'ont pas aucun résistance sociale. Tu viens de jeter une allocation pendant une certaine période définie, c'est pas un an, pendant sa période de COVID, pour être capable de survivre. Et il y a des gens qui aussi qui perdent leur emploi. Tu viens de jeter un salaire minimum, au moins, pendant un an, jusqu'à ce qu'ils retrouvent l'emploi. Tu viens de jeter un secteur touristique. Bisous aussi, bien capable d'assurer. Maurice, si vous connaissez l'île Maurice, ça commence le développement qu'il fait là. Si je prends ça, au lieu de mettre dans mon infrastructure qui n'est pas pour servir dans rien, par exemple, mon stade Côte d'Or ou Safe City, qui n'est pas un problème immédiat, si tu mets dans le côté social, plus ou moins du monde, beaucoup d'affaires tu es capable de faire. Mais hélas, il y a un gouvernement qui peine la vision. Mais ce qui nous vient prendre en compte, c'est que quand nos sociétés pas bien, du monde pas bien. Mais quand le gouvernement vient, il vient pour soulager la population, il vient pour soulager les peuples. Il n'est pas venu pour servir lui-même avant. Donc, c'est malheureusement ce qui peut passer. Mais l'enfant doit mettre le côté accompagnement social avec une aide financière pour des gens qui perdent l'emploi, pour des gens qui n'ont pas aucun résistance social et surtout pour les plus vulnérables. Parce que nous regardons aussi, quand nous avons l'appréciation du dollar face aux roupies mauriciens, le dollar il prend environ 10 roupies, il prend presque 40 roupies comparé à un an de cela, comme on pensait qu'il existait 30 roupies ou 32 roupies. Mais quand nous prenons ça, nous tirons un exemple, une pension, une personne qui est âgée, mais si de l'or il n'apprécie pas un tiers, si nous tirons un tiers de pension du monde qui est 9 000 roupies, sur 9 000 roupies, voit actuellement 6 000, 6 500. Donc, nous sommes bien capables d'équilibrer, mais malheureusement, et c'est pas ça la priorité du gouvernement.